Bonjour Constance. Bonjour Mylène, ça va? Très bien. Et toi, comment vas-tu? Écoute, ça va. Je reviens de voyage. Comment ressens-tu ta peau alors avec tous ces voyages? Elle est fatiguée. Je sens qu'elle a du mal à récupérer. Il y a un petit manque d'élasticité. Donc j'ai besoin de toi. Ce que je te propose, eh bien, c'est que on va analyser ta peau un petit peu plus. On peut vraiment toucher. Tu vois, tu as le muscle du masséter ici, qui est très tendu hein, chez toi. Peut-être parce que je souris trop. Exactement, c'est ça. Une peau qui sera détendue, un muscle qui sera détendu, va mieux accueillir finalement le produit. Donc pour ce faire, eh bien, je te propose de découvrir des gestuels, mais aussi des produits. Comme d'habitude, tu vas appliquer ton Advanced Huile en eau jeunesse pour infuser ta peau du pouvoir de réparation. Et je te présente l'Advance Double Hair Renew and Repair. C'est vraiment le sérum le plus expert de notre collection Abeille Royale. Je t'invite à chauffer le produit au creux de tes mains. On vient faire un lissage avec la main droite, la main gauche, menton. Puis on draine la lymphe jusqu'à ses ganglions. On vient dénouer au niveau des frontaux, détendre cette partie qui est très tendue, orbiculaire des yeux. C'est hyper agréable. Ensuite, on resculpte le visage. On vient glisser, drainer la peau, redessiner l'ovale du visage. D'accord. Tu mets vraiment de la pression parce que le muscle est en profondeur. Donc là, on vient resculpter, puis crocheter jusqu'à l'insertion musculaire, le masséter. On étire comme si voilà, tu voulais vraiment lisser. Qu'en penses-tu? Je sens déjà là les muscles qui se détendent, qui se dessinent. Le muscle travaille, les fibres musculaires vont se détendre également et c'est là où aussi tu vas avoir de l'efficacité au niveau du lifting, redensifié. Plus tu vas mettre une pression assez intense, à plus justement tu vas avoir les contours du visage vraiment redessinés. Il faut que je prenne le temps le matin de le faire. Exactement. Merci Mylène. Merci beaucoup.